Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente le thème le plus complet et paramétrable que j'ai vu jusqu'à présent. Le thème plateforme d'Helmic, compatible avec Batocera 29, mais également Retrobat. Pour rappel, Batocera 29 sort demain, vendredi 11 décembre. Pour cette présentation du thème, je suis sous Raspberry Pi 4. J'espère que cette vidéo vous plaira. On la regarde tout de suite. C'est parti les amis! Thank you.
Je vous ai dit que ce thème était entièrement paramétrable. Les infobulles sont désactivables ou changeables. Helmic a prévu ça dans les options. Vous rentrez options d'interface, configuration du thème. Ici, vous avez affiché les descriptions de console. Donc vous avez le choix sur les bulles, vous avez le choix sur le bandeau ou sur l'écran. J'adore ce screen. Voilà, on retrouve les infobulles directement sur le bandeau, parce que c'était en mode bandeau. Mais nous avons aussi... sur l'écran. Concernant les options, nous allons retrouver... les fonctions paramétrables. Donc, un son de défilement par système. Vous avez plusieurs sons qui sont attribués de défilement. Je vous laisserai les découvrir. Donc, l'affichage des descriptions sur la console. Un focus sur les éléments assombris. Donc, non, léger ou fort. Mais également le scintillement CRT. Le système des screen effects, l'effet CRT, les easter eggs, le choix de l'affichage en 16 neuvième ou en 4 tiers, le choix de la police, plusieurs polices s'offrent à vous, les régions, mais également si vous n'aimez pas en fait les cadres des ordinateurs, cela va, il a prévu ça. Vous avez la possibilité de choisir un cadre ou un cadre coloré si configuré, parce que tout est entièrement paramétrable à vos souhaits. Je vous laisserai découvrir. Vous avez tout ce qu'il faut dans les fichiers texte pour pouvoir faire votre thème personnalisé. La fonction cadre, on n'a plus le moniteur. Vous avez le choix du style de grille, donc on a le choix entre la grille classique, les logos de jeu ou les boîtes de jeu. En ce qui concerne les grilles classiques, ça se passe comme ceci. Pour les logos, nous allons voir.
ou le système des boîtes? Vous avez la possibilité aussi de changer le son de défilement. Pour les jeux. Donc plusieurs modes, comme pour les systèmes, vous avez le même système sonore pour les jeux. Très rigolo. Vous avez la possibilité de forcer les vidéos snap. Utiliser un son custom pour la game list. Afficher le contrôleur ou non. Les fonds d'écran. Donc vous avez différents fonds d'écran que vous avez vus dans Favoris. Donc je vous laisserai les découvrir. Vous avez les Hot Run, les Synthwave. Afficher les snaps ou non dans la game list. Si vous ne souhaitez pas, vous pouvez activer ou désactiver cette option. Idem pour les logos d'en-tête, l'affichage de l'arrière-plan avec les métadatas, l'éclairage derrière le logo. On peut assombrir aussi le bas du fond d'écran, l'animation du fond d'écran, afficher les aperçus et le fond d'écran animé. Vraiment paramétrable à souhait et tout en sachant qui vous a laissé libre cours à votre imagination, parce que tout est entièrement réglable, tout est entièrement paramétrable par vos souhaits. Si vous souhaitez changer des fonds, des sons, des images, vous pouvez le faire sans aucun problème, tout est détaillé dans le fichier texte. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si comme moi, vous souhaitez découvrir ce magnifique thème, je vous mets le lien de son GitHub en description. Vous y retrouverez Forever, son thème pour Bateau Serra, et celui-ci, Plateforme. Rejoignez-moi aussi également sur le groupe Facebook Rétro vers le futur. Nous sommes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Je vous dis à très bientôt les rétros pour de prochaines vidéos. Salut!